me dis pourquoi, qu'est-ce que j'ai qui te dérange. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent des autres ou quelque chose qui lui a fait peur? Je sais pas. Moi, dans mon cas à moi, je mange tout seul. Les gens, je les invite, mais ils viennent pas me voir. Alors là aussi, je suis rejetée dans les aînés. Et puis, ça me fait de la peine. Parce que je me dis, pourquoi, qu'est-ce que j'ai qui te dérange? J'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent des autres ou quelque chose qui lui a fait peur? Je sais pas. Je me pose toutes sortes de questions et j'ai pas de réponse à ça. C'est sûr que je suis différent des autres. Et puis, comme je dis, j'ai mon petit chien qui m'apporte beaucoup de choses, puis Dieu. Alors, c'est ce qui m'aide le plus au monde. Quand j'avais du chagrin, je me confiais à Dieu. Et puis, c'est devenu une amie. J'étais bonne à l'école avec ça. J'aimais les religieuses. Je les admirais, les religieuses, de pouvoir tout quitter, puis tout ça. Puis Dieu était un père, un frère, un ami. Il est devenu mon ami. Puis encore aujourd'hui, j'ai deux fois plus, puis je lis la parole, j'ai devenu deux fois plus impliqué avec Dieu. Parce qu'il dit, quand vous pensez à Dieu, c'est une prière. Fait que ça m'a beaucoup aidé dans ma solitude, le rejet des gens.